Salut à tous, c'est Narm sur un nouveau jeu, Distraint 2, qui fait suite donc au premier Distraint, l'un des tout premiers jeux d'horreur que j'ai pu faire sur ma chaîne. Je vous conseille de revoir si vous êtes prêt à tenter l'expérience du premier Narm hein, sur les tournages. Le jeu, pour rappel, reprenait l'histoire de Price, un jeune homme qui essayait de faire sa vie, qui s'était lancé dans une carrière de je crois que c'était vendeur d'assurance ou quelque chose comme ça, et du coup pour une société donc qu'on apprendra plus tard être démoniaque, je spoil un peu mais de toute façon c'était dans le premier, donc autant vous mettre à jour plutôt. Price donc on apprend au fur et à mesure qu'il travaille au final pour le diable, pour trois diables en tout cas, qui finit par à la fin supposément se suicider. Mais a priori non, puisque on reprend l'histoire de Price dans le deuxième. Donc on va se lancer, on va partir, tout donner nanana, oui on continue. Lançons-nous. Et j'avais adoré le précédent, je trouvais que l'ambiance était top. Mon nom est Price. Pour m'associer à McDade, Bruton and Moore, j'ai dû expulser des gens de leur domicile. Bon voilà, vous avez le résumé. Nickel. Tel était mon travail. Et c'était pas toujours réjouissant. Mais il était devenu évident que ce n'était pas mon genre de boulot. Il y avait cette adorable veuve âgée nommée Mrs. Goodwick, je m'en rappelle. Je lui ai confisqué son toit. Quelque chose s'est brisé en moi. Quand elle est morte, elle ne m'a jamais fait de reproche. Elle était gentille. Pourtant, je ne pourrais jamais me le pardonner. Notamment après son décès. Et oui, et voilà. À la fin, j'ai perdu toute envie de vivre. Décidé à mettre fin à tout cela, j'ai mis le canon d'un fusil dans ma bouche. Ah, et est-ce qu'il l'a fait? Je ne crois pas. Ce qui est intéressant, c'était qu'à la fin, on avait un autre jeune homme qui travaillait aussi, a priori, pour les trois. Et donc, qui venait nous voir pour nous proposer à son tour des assurances et des trucs comme ça. Ouh, je suis au paradis. Déplacez D ou Q pour vous déplacer. Pour vous déplacer. Qu'est-ce que? Appuyez sur E pour continuer le dialogue. Où suis-je? Je ne devrais pas exister. Ah, donc il s'est suicidé. Je ne devrais plus exister. Hé! Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne comprends pas. Maintenez Shift pour courir. Ça, c'est un truc qui m'inquiète d'ailleurs. J'ai vu dans les touches quand tout à l'heure j'ai configuré. Bonjour. Bonjour, petit monsieur. C'est Gandalf. Gandalf. Gandalf, j'ai besoin d'aide. Parle-moi. Bonjour, Gandalf. Tu veux pas me parler, Gandalf? Ok, il se déplace, tranquille. Ok, pépère. Je vais te laisser. Yo. Oh, en plus, la course. On voit que la qualité est grande. Ah, il a disparu, Gandalf. Il a laissé. Qu'est-ce qui se passe? On voit que la qualité beaucoup a été travaillée par rapport au précédent, hein, la qualité des animations et tout. Et j'adore la façon de courir parce que ça apporte, je pense, dans des moments où on va se faire poursuivre, ça va apporter du stress quand on va être là. Parce que ça resserre sur le personnage, je trouve ça pas mal. Une bonne amélioration par rapport au premier. Appuyez sur E pour interagir avec les objets de l'environnement. Voilà. Excusez-moi, où suis-je et qui êtes-vous? Je suis Raison. Et malheureusement, j'ignore comment te répondre de façon compréhensible. Mais je serai ton guide si tu me le permets. Mon guide? Je t'en prie, écoute ce que j'ai à te dire. Je ne comprends pas. Je suis une part de toi. Une part qui a bien vieilli. Nous sommes liés. Raison? Oui, je comprends que tout cela soit déroutant. Quel est cet endroit? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Non, c'est pas difficile, tu me dis ce que c'est, tout simplement, le paradis, l'enfer, l'intermédiaire. Je ne peux l'expliquer. Je ne comprends pas, j'étais prêt à appuyer sur la gâchette. Oui, je ne suis pas sûr que vous puissiez exprimer tout cela par des mots. Mais vous avez fini à cet endroit pour une certaine raison. Je voulais juste partir. Je ne me supportais plus. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Oui. Vois-tu, il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore expérimentées. Comme la mort? C'est toute nouvelle chose. Tu as beaucoup...
Tu as besoin d'apprendre comment te pardonner. Je ne suis pas sûr de pouvoir, après avoir tué Mrs. Goodwin. Cela serait difficile dans ta situation actuelle. Mais tu peux me faire confiance. Tu dois te retrouver. Tu dois trouver espoir. C'est le seul moyen de te soigner. Tout cela est tellement accablant. Je t'en prie, trouve espoir et tout ça changera. Je vais essayer. De toute façon, j'ai pas tellement de choses à faire ici. Hein. Je pense qu'il n'y a pas tellement de choix. C'est tout ce que je peux te demander. Nous nous reverrons bientôt. Oh ? La lumière ! Au fond du tunnel ! J'avais bien aimé l'aspect horrifique aussi du jeu, où tout a commencé. J'avais bien sursauté 2-3 fois dans le jeu. Hein. Toc toc toc. Excusez-moi, il y a quelqu'un ? Il n'y a personne. Chouette. Est-ce que je vais rentrer dans l'appartement de mademoiselle, de Mrs. Goodwin ? Bonjour. La lumière ! La lumière ! Pouvez-vous ouvrir s'il vous plaît ? Hey ! Bien sûr, je vais aller dedans. Que se passe-t-il ? Ils sont méchants ? Bonjour. Coucou. Coucou les gars. Vous êtes moi ? Je dois rentrer dedans ? Tout c'est moi. Non. Ils sont aveuglés par l'avidité, par la cupidité, par l'argent. Bonjour. C'est pour mourir ? C'était moi quelques années auparavant, quand j'étais jeune et stupide. Entrez. Le voile rouge, première partie. Ok, cool. Pourquoi suis-je ici ? Je me rappelle que... Suis-je mort ? Ou suis-je vivant ? Je dirais que c'est un intermédiaire. Distrait ne sauvegardera automatiquement. Nanana, sauvegarder, utiliser ceci. Ok, cool. Bonjour. On va d'abord sauvegarder. Sauvegarde. J'ai sauvegardé la partie, quoi que cela signifie. Ah, il y a la petite musique quand on est en train de sauvegarder, c'est cool. Et je me rappelle où, dans le précédent, on en a parcouru des maisons creepy, hein. Et je pense que ça va être la même. Rien à faire, la porte est verrouillée. Non. Ici, entrez. Chaleur et froideur. Ah, les fenêtres qui se ferment. Examinez. J'ai toujours aimé être près du feu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a quelque chose dans la cheminée et qui n'a rien à y faire. Peut-être pourrais-je le déloger avec quelque chose. Je pense que je vais avoir baissé le son avec vous, mais... Oh, qu'est-ce qu'il est fort, le son ! Oh, bordel ! Entrade, la source de la flamme. Ok, ne pas aller dans l'obscurité. Restez dans la lumière. Hein ? Il y a quelque chose derrière le canapé ? Je me demande si je peux déplacer le canapé. Est-ce que je suis assez fort ? Quelle force ! De la lave ? C'est quoi ce truc ? J'ai besoin d'y voir plus près. Examinez. Appuyez sur Z et S pour changer la pièce. Appuyez sur E pour tourner la pièce. Ouais, mais il manque un truc. Attends. Ah oui, d'accord, ok. Ça, il faut que je tourne. Ensuite, c'est ça. Ring. Je crois qu'il manque une pièce. Ah bon, vraiment ? Appuyez sur Shift pour quitter l'énigme. Ok. Donc, il faut que je trouve un petit cercle. Je pense que ça doit être ça qui doit se trouver peut-être dans le feu. À mon avis. Je pense. Donc, il faut que je trouve de l'eau. De l'eau quelque part. Chaleur et froideur. Donc, il faut que je trouve quelque chose pour refroidir. Dans les toilettes ! Évidemment ! Quel idiot! On va récupérer l'eau des toilettes pour faire notre café, comme dans le précédent. Se cacher? Pourquoi je peux me cacher? Non. Comment je fais pour sortir? Ok. Allô? Ça voulait pas sortir. Ce lave-linge est vieux et sale. Il manque un cadran. Très bien. Je peux pas prendre l'eau des toilettes? Youhou! Ça, c'est une douche bien rouillée.
Ce tuyau doit se détacher assez facilement. On peut s'en servir de tisonnier. Objet trouvé, putain, ça m'a fait peur. La crise cardiaque. Examinez. Pour utiliser vos objets, sélectionnez un objet en appuyant sur Z. Une fois d'objet, sur E. Non, ça ne fait rien. Ok. Ok. Espace, vous pouvez examiner. Ok. En maintenant, pas d'objet. Tuyau, ok. Se cacher, donc là on n'a pas besoin de se cacher a priori. Peut-être que je peux m'en servir. J'ai peut-être pas besoin d'eau, j'ai juste besoin d'avoir un truc. Il y a un truc là? Non, il y a rien. Je cours. Oh, panique! Voilà, dans le feu. Tuyau, on va le sortir. Oui. Et hop là. Ouh, une testicule brillante. Tuyau rouillé, ramassé. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un cadran de lave-linge. Ah, maintenant je peux y aller. Oh oh. J'ai... quelque chose vient de bouger dans l'ombre. Coucou. Coucou monsieur. Tu peux me parler? Non, il veut pas me parler. Oh! Ça me stresse, j'aime pas ça. Et c'est donc pour ça qu'on va pouvoir se cacher. Qu'on va devoir se cacher. Cadran de lave-linge. Je me demande si cela va bien ici. Sur le lave-linge. Maintenez Z ou S pour tourner le cadran de lave-linge. Ok. Attends. Non. Ça. Non. Peut-être que... Tic, 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 tic. Faut pas que j'appuie sur... Voilà. Ensuite... Non. Ah, je pense que ça doit être comme un cadenas de... Voilà. Non. Ça doit être comme un cadenas de coffre-fort. Là, ensuite. Là, ensuite. Non, d'accord. Et... Là. Ding. Yes. Et voilà. Je vais attendre la fin du programme. Je vois rien. C'était quoi ce bruit? Je ferais mieux de me cacher rapidement. Ah bon? Ah bon? Ah bon, créature de cauchemar première partie. C'est quoi toutes ces premières parties? Bonjour. Mais tu as des cornes? Que tu as de longues cornes? Ah, mes oreilles! C'est super fort. Je ne suis pas là. Non. Non, 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 non. Non, 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 je ne suis pas là. Je suis parti. Non, non. Voilà, c'est bien, mon gars. Continue. Continue. C'est bon. J'ai lâché une caisse, ça l'a fait fuir. Tout va bien. Est-ce que je peux sortir maintenant? Qu'est-ce que c'était que ce truc? Que signifie tout ceci? Oh, mon Dieu. Donne-moi l'objet. Voyons. Un glaçon? Cela me paraît si familier. Il doit y avoir quelque chose dans le glaçon. Il va falloir le faire fondre. Ce qui est... Je sais pas si vous avez vu, donc du coup le... Merci de t'ouvrir. Le précédent, mais en fait, il y avait un... Non, je vais d'abord sauvegarder. Non, 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 non. Je sais, je fais ma flippette, mais... J'ai sauvegardé la partie, voilà. Mais dans le précédent, il y avait une énigme similaire où on avait un glaçon et on devait le faire fondre. Dididit. Je ne suis pas là. Tu m'as pas vu, le monsieur? Je suis sûr que ça va fondre dans quelques instants. En attendant, est-ce que la créature va venir? Examiner. Est-ce que je dois utiliser le tuyau maintenant pour sortir? Allez, vas-y. Une clé! Il y a quelque chose dans le glaçon. Vraiment. C'était pas du tout pour ça qu'on avait du tout qu'on devait balancer le glaçon dans le truc. Une clé. Mais à quoi correspond-elle? En tout cas, pas au cercle, ça c'est sûr. Donc il faut certainement que je revienne ici. Sauvegarder. Encore une fois. Mais bon, j'avais pas envie de me faire tuer de devoir tout faire. Et ici peut-être. Je vais avoir besoin d'une clé pour accéder. Yes, une clé. Voilà. Bung. Squeak. Grid, il y a marqué dessus. Voilà, j'ai déverrouillé la porte. Quick. Entrez. Y'a quelqu'un? Autodéception. Non. Oh mec. Où est-ce que je vais?
Je ne sais pas, mais on s'enfonce dans l'obscurité. Y a quelque chose ici? J'aime pas ces bruits. Attendez. Il y a quelque chose ici, peut-être. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai plus que le tuyau, en fait. Il y a rien ici? Ok. C'était pas prévu. Bonjour, monsieur. Bouh! Tu as essayé de me laisser partir, hein? Désolé, je ne crois pas vous connaître. Hein? C'est moi, ton vieux pote, Avarice. Et tu dis que tu ne me connais pas, hein? Avarice. Qu'attendez-vous de moi? Hein? Je veux que tu ne me parles. Tu auras besoin de moi et de mon caractère impitoyable. Comment pourrais-tu réussir sans moi, hein? Écoutez, j'ai essayé de changer pour une raison. Et elle s'appelle raison, d'ailleurs. Je n'aurais pas réussi sans vous, mais peut-être que j'aurais mené une meilleure existence. Hein? Une meilleure existence? Idiot! Tu as eu ce que tu méritais. Tu aurais dû rester avec moi, tu aurais tout eu. Mais il est peut-être pas trop tard. Ouais, c'est tellement déroutant. Écoute, ensemble nous pouvons... Quoi encore? Raison! Viens là, Gandalf! Gandalf est là. Avarice, serais-tu encore en train de faire des tiennes? Ah, raison, tu n'es pas la bienvenue ici. Silence! Toutes mes excuses pour cette interruption. Écoute-moi. Il est vrai qu'il t'a aidé à atteindre tes objectifs. Mais tu étais jeune, tu es encore jeune. Savais-tu ce que tu voulais? Bien sûr qu'il le savait, tu le savais, je le savais, tous le savions. Il a besoin de moi et toi as raison, tu ne peux pas le renier. Seul moi le fais avancer, qui d'autre le ferait sinon moi? Oui, tu n'as pas complètement tort. Mais peut-être qu'il a besoin de prendre une autre direction dans sa vie. Hein? Tu dois me faire confiance et confiance. Pars et réveille Espoir, il est le seul à pouvoir t'aider. Attends, n'écoute pas ces ilepsies. Que se passe-t-il? Je deviens fou? Espoir, Avarice, raison. Ce sont là nos... Est-ce que je peux revenir là? Non, on peut pas revenir là. Ok, cool. C'était bien de venir ici. Oh! Un cercle! J'ai les herbes courtes, je veux tout atteindre. Tuyau? Peut-être? Déloger? Bloup! Ah, c'est mon tuyau magique qui va me servir. Non! Pas le tuyau! Ramasser, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sens que j'en aurais besoin. Vraiment, on le sent. Au fond, tout au fond. Entrez! Le voile rouge, toujours. Bonjour! Salut! Enchanté! Moi, c'est Price. Ok, d'accord, je te laisse t'énerver, je vais voir ailleurs. Sauvegarder. Entrez. On va résoudre l'énigme. Est-ce que je sais qu'elle est là? Elle est ici, elle m'attend. Elle veut être résolue. Ouais, je sais plus parler français. Ouh. Et voilà. Billing, billing. Maintenant, il faut que je règle le cercle. Alors, attends. D'abord, celui-là. Non, attends. Comment on fait déjà? C'est... Je pense que ça, il faut que je... Ah, comment je fais? Ah, voilà. E, tutuc. Je pense qu'on va mettre le N en haut. Pour que ça soit au nord. Et... Bon... C'était pas dur. C'est fait, je pense. Peut-être. Et ensuite, si on allait retourner voir le cercle de Sauron. Oh oh. Le feu est éteint. Non. Sauvegardez. J'ai sauvegardé, je sais quoi que ce soit les filles. Et malheureusement, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je n'ai plus le temps. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner et me laisser un petit commentaire. Ciao.